Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation encore une fois de sucré. RIP, notre métabolisme. Du coup c'est des sortes de Mikado asiatiques, il y a des Mikado forme normale et il y a des Mikado un peu particuliers, c'est des sortes de tubes en fait. Ça vient un peu de partout, il y a ça qui vient du Japon, ça qui vient de la Corée, ça qui vient de je ne sais pas d'où. On va tester tout ça, on va voir si nos Mikado français sont meilleurs que les Mikado asiatiques. On commence par le jaune. Il y a des boîtes qui sont un peu plus petites que d'autres, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un format enfant vu qu'il y a un petit nounours tout mignon dessus. C'est bien, au moins ils proposent des formats différents. Oh non, c'est trop bien fait. Bah ouais, t'as vu ça un peu. Et après, t'as juste à tirer vers le haut. Oh, c'est cool. On a trouvé ça dans un magasin grenoblois qui s'appelle le Carré Asiatique. J'aime bien le. Oh, je m'en rappelle, l'enfance. Oh, ça sent la banane du turfu. Ça sent la banane du bonbon. C'est drôle ça. Là j'ai vu tomber. Bon je mange quand même. Ça sent trop bon. Ça sent la banane des bonbons en fait. Et j'ai trop faim. Ça a vraiment le goût des bonbons bananes. Je me rappelle plus des Mikado moi perso. Mais le biscuit c'est pareil. À peu près pareil. Ce qui est marrant c'est que c'est du chocolat blanc mélangé à la banane je pense. Ouais ouais. Bon c'est bon. J'aime beaucoup ouais, c'est choco banana flavor. Je valide totalement. Et on passe au coup suivant. Viens on prend un topo. Attends, on va faire un petit topo. C'est popi. Alors celui-là apparemment il est aux amandes et au chocolat. Le packaging est super sympa. On voit à travers et tous les petits sticks. Oh sa grand-mère, tu sais ce que ça sent? Ça sent les Ferrero Rocher. Ouais grave ouais. Un Mikado au Ferrero Rocher, point d'exclamation, miniature, flèche rouge. Vous ne devinerez jamais ce qui va se produire, ça tourne mal. Vous ne faites pas ça à la maison, ce risque d'étouffement. Ouais. Mort, étouffement. Le mort. Décès. Véronique fait un infarctus. Véronique fait un infarctus. Bah écoute, je valide. Ah, pour le moment, je suis très fan de cette dégustation. Voilà. On va prendre un topo. C'est des pailles, tubes, choco. Et ça a l'air d'être au chocolat noir selon le packaging. Chocolate. Tu veux l'ouvrir? Au black chocolate. Tu m'as demandé ça parce que c'est un petit bah ouais, c'est ça? Oui. Il y en a deux. Oh, trop bien, c'est séparé. Oh, waouh, c'est trop bizarre. On dirait des bâtons dansants. Grave, des bâtons dansants, ouais. On n'a pas l'impression que c'est comestible, on a l'impression que c'est genre une cigarette, mais qu'elle. L'odeur, oh my god. Oh my god. Et comme le chocolat il est à l'intérieur, bah du coup il est fondant. Quand on croque, on sent le chocolat. C'est trop bon. Oh, faut qu'on fasse ça en France en fait. Oh, c'est dingue. Le fait de croquer, que t'as le fondant du chocolat à l'intérieur. Ouais. On valide aussi totalement, on fera une conclusion à la fin, mais dingue. Moi j'aime trop. Incroyable, c'est bah, cookie and cream taste. Alors, ça c'est pour vous, dédicace à vous les Oreos. Ouais, on l'a pris pour vous. Hein. Ouais. Wouh. Oh damn. Tu sais ce que j'ai envie de faire à la fin de la vidéo, j'ai envie de prendre tous les trucs et croquer dedans. Ça me donne très envie de faire. En fait le truc c'est que merde. C'est bon, sauf que j'ai l'impression de sentir que le chocolat blanc à chaque fois dans ce genre de biscuit. Pareil, c'est bon, moi j'aime bien. On continue sur cette belle lancée. Ça reste bon, mais bon. Mais bon, ça reste bon mais bon. Tada! Poke au matcha green tea flavor. À ne pas confondre avec poke. Green tea matcha from Japan. On dirait la même préparation que les Kit Kat. J'allais le dire, en fait j'ai l'impression de manger ça, hein. Le même goût du Kit Kat. J'apprécie parce que ça change du chocolat vanille basique. Oui. Oui. Très bon. C'est pas ce que je préfère. Dédicace à Julia. Ma soeur, quand elle mange un truc. Attention, alors, une anecdote. Quand elle aime pas un aliment, ma soeur, elle dit pas j'aime pas. Elle dit c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est juste c'est pas ce que je préfère. Mais elle fait ça à chaque ingrédient. C'était l'anecdote. Il y a deux emballages sur un. Alors ça, je sens que je vais... Voilà, il y a un jaune pas très beau là par contre. Non, ça fait un peu passé. C'est censé être au chocolat. Oh, la texture. Il est encore plus creamy que celui de tout à l'heure. Non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est bon. J'adore. Le biscuit est super fin. Mais problème ? Il est trop grand. J'ai fait que c'est une chèvre. Oh, une seconde. Dis si je te gêne. Non, ça va. Ah. Le César du meilleur acteur est attribué à Axel de la chaîne YouTube Léna et Axel. Ah. Moi, ah. Pour lui, je dirais. Il en reste deux boîtes de mon côté. Je sais pas s'il te reste des boîtes là. Une, moi. Ouh, lui, il a l'air. Ah, mais lui, il est au chocolat, on le zappe, tu vois. Quoi? Non, mais on les a pas, mais je veux dire, on a déjà goûté au chocolat, là. Blueberry taste. Oh, il est golden, regardez comment ça brille. Alors, oh, ils ont mis... truc à l'intérieur, il est golden. Real. Ah, avec des vrais blueberries, waouh. Pourquoi tu dis ça en direct, tu crois pas du tout? Oh, la vache. Oh, où la ça? Vache. Où ça? Je la vois pas.
Ah. Oh punaise, mais ça n'a rien à voir. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ah, ça sent bon. Je suis très étonnée par ce paquet. Ça sent bon. Je fais ça et... Moi j'adore parce que on sent vraiment les morceaux de myrtille. C'est pas vraiment super naturel comme goût, mais ça reste prononcé et t'as vraiment l'impression d'avoir quand même le fruit en bouche. C'est un peu ce goût de confiture aussi, genre sucré quoi. Confiture. Oh, c'est la fraise. C'est la fraise, j'adore la fraise. Ah bon ? L'odeur, ça sent des pieds. Vraiment. Quoi? Bah, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pété dans le sachet. Ouais, on est d'accord. C'est parti, du mec sur les culs celui-là. Ah, ça sent les pieds, mais la fraise en même temps. C'est... Il a une pustule. Ça, c'est dégueu. C'est pour ça qu'il pue des pieds. Oui. Oh, mais il pue vraiment, hein, c'est horrible. Non, je vais pas manger ton truc avec la pustule. T'aimes pas? Non. Arrête, moi j'aime bien. C'est pas bon. C'est bon? Non, si, c'est bon. J'aime non, j'aime pas. Le goût de la fraise, on le ressent à la fin, mais ça fait plus chimique que les blueberries de tout à l'heure. S'il te plaît, mets une image de ptérodactyle. Et il en reste un dernier. Oui, c'est chocolat. Et le packaging est... Il y a des petits cœurs. Oh, d'accord. C'est un packaging pour offrir à quelqu'un. Parce qu'il y a une petite étiquette marquée tout. Et tu marques le prénom, from, et ton prénom. C'est un cadeau pour les gens qui n'ont pas d'argent. Mais regarde, en plus ça s'ouvre comme ça. Mais c'est pour... Ah, c'est un cœur, c'est plutôt pour ton amoureux, ton amoureux. Bah oui, c'est un cadeau de Saint-Valentin. T'as des petits cœurs, tu suis les petits cœurs et tu l'ouvres comme ça. Quoi? Mais non. C'est trop cute. J'adore le concept. Je retire tout ce que j'ai dit. Oh, c'est vraiment chouette. On push là et après on ouvre ici. Oh mais c'est trop cool, c'est vraiment bien fait. Regarde, un petit cœur. Alors j'aimerais trop savoir ce qui est marqué dessus. C'est marqué... Je te baise. C'est marqué partager le bonheur. C'est chocolat dans ce goût chocolat, je pense, mais c'est pour offrir à son amoureux. Du coup, ça ressemble à un Mikado, mais vraiment classique. Et ça a l'odeur du Mikado classique. Ouais, on va dire en même temps chips. Chips. Trop tard. Mec, on ne connaît pas les règles. Chips. Chips. T'as pas à parler. C'est bon. Oh, c'est trop bon. Bah, ça, c'est le Mikado normal. Tu vois, tu veux offrir ça à ton petit amoureux, amoureuse. Quand t'as 5 ans et demi, c'est vraiment cool. Moi, ça me fait plaisir, même si j'ai 20 ans. Non, je trouve ça trop mignon. C'est une petite attention toute simple. Mais même pas forcément aux amoureux et tout, à ta maman, tu vois. Je l'offrirais bien à ma maman. Oh, grave. Et moi, j'ai envie de faire un truc maintenant. C'est tous les prendre et les manger ensemble. Allez. Faut savoir qu'une bouchée de ça est égale à un cholestérol ou un diabète. Le chocolat. Oula, je sais pas quoi ressentir là, il y a trop d'émotions. T'as la fraise qui est dégueu, qui est en montage en face, et après t'as le chocolat. Et après t'as la myrtille, et après t'as le chocolat blanc, après t'as... Moi je pensais que j'étais dans l'excès, mais finalement... Bon, je finis parce qu'on est contre le gaspillage, et il faut savoir que chaque boîte on les termine, ou alors on les donne à notre famille, mais ça finit jamais à la poubelle, donc important, si vous faites des dégustations chez vous, ne gaspillez pas. Et en plus de ça, en certaines boîtes, il y a des logos qui disent que ça peut être recyclé. Donc vous avez aucune excuse. Non mais c'est super important ce qu'il a dit. Alors du coup, dans ceux que j'ai bien aimé, je pense un que j'ai le plus aimé, c'est lui. Parce qu'il a vraiment un goût acide à la fin. Ensuite, les tubes, ils sont ouf. Mais ceux-là, c'est mes préférés. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. C'est quoi la différence en fait un... Et après, banane, j'aime beaucoup. Et Poki... Bah après, les autres, si, je les aime tous en fait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo, si vous avez des idées de concept. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez testé un des produits que vous avez découvert dans notre vidéo. Et envoyez-nous des screens, envoyez-nous des photos sur Instagram, voilà. Il y a ce que vous voulez. Juste ici. On va mettre tout en bas, tous nos comptes, comme ça vous pouvez nous envoyer peut-être vos découvertes aussi. Hein. Grave. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous soutiendrait, ou à nous abonner. Ou à s'abonner plutôt. Bah voilà, c'est à peu près tout, il n'y a pas de jeu de fin de vidéo cette fois-ci. Aujourd'hui, on est resté simple, mais bon. Voilà. On veut de la tendresse et de la douceur. Allez, je ferme.